On m'a dit que mon conjoint avait eu un malaise cardiaque durant l'épreuve de nage. C'est un appel téléphonique qui a bouleversé la famille de Véronique Tremblay. Son conjoint des 29 dernières années participait à un demi-Ironman à Galveston, au Texas, le 7 avril dernier. Jean-François Alain, 49 ans, a eu un malaise cardiaque durant l'épreuve. Mon conjoint a demandé de l'aide. Donc, euh, il a, dans la première portion de la nage, euh, il a levé la main, il a signifié qu'il avait besoin d'aide. Véronique a aussitôt pris l'avion de Montréal pour arriver au chevet de son conjoint le soir même. Elle a pu lui faire un dernier adieu. On a passé euh, six heures avec lui à son chevet, mais euh, son état s'est vite dégradé. À la fin, euh, la respiration euh, était supportée par l'équipement et tout, là, et les médicaments. Euh, donc, euh, il n'y avait rien à faire. Jean-François était actif et en pleine forme. Selon sa conjointe, il n'avait aucun antécédent médical. Le couple a deux enfants de 16 et 18 ans. La famille se questionne sur l'intervention de sauvetage. Des gens qui ont fait des témoignages euh, euh, qui semblent indiquer qu'il qu y a eu des défis dans le, dans le sauvetage de mon conjoint. Euh, donc, c'est ce qu'on veut comprendre. Euh, toute la séquence d'événements. Il y a eu beaucoup de temps quand même qui s'est passé euh, entre le moment qu'il a demandé de l'aide puis son arrivée à l'hôpital. Elle a engagé un avocat pour l'aider à faire la lumière sur l'opération de secours. Il y a eu une autopsie et les résultats ne seront pas connus avant encore six mois. Par communiqué, Ironman écrit que l'athlète a obtenu de l'aide rapidement avant d'être transportée à l'hôpital. C'était mon... mon meilleur ami. Euh... D'abord et avant tout, puis on faisait tout ensemble, tout va changer. Le couple devait partir aux Îles Canaries le mois prochain pour que Jean-François complète un Ironman complet. Véronique devra plutôt préparer les funérailles. Je veux faire la, la plus belle cérémonie à son image, puis je vais avoir le temps de digérer ainsi que les proches, la même chose pour lui rendre le. Le plus bel hommage. J'ai demandé à mon conjoint qu'il me donne sa force dans les derniers moments, puis on va passer à travers. Kevin crank TV TVA Nouvelle, Sainte-Julie.